Kia, bonjour. Alors, encore une fois, matinée un peu compliquée. Donc, nous allons tester des choses. Nous sommes repartis pour un petit épisode de trèfle. J'ai une grosse... Là, vous ne le voyez pas, je ne vais pas vous le spoiler. Mais attention, il y a plein d'armes, là, juste en dessous, là. Oui, oui. Alors, aujourd'hui... Fuck! Je pensais que c'était un 357, j'en reviens. Voilà, je suis de retour avec des 38 SP. Oh, c'est bien, il m'en reste que 10. Cool. Cool, 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 il va falloir passer à la caisse. Aujourd'hui, dans ce petit épisode de trèfle, nous allons tester le MR88, donc M Manurin. Enfin, MR Manurin, évidemment. Avec sa poignée presque anatomique, ultra reconnaissable, c'est vraiment excellent. On va tester ça. J'ai jamais utilisé ce modèle en particulier. Je vois que le déverrouillage est génial, putain. C'est pas un déverrouillage longitudinal, c'est un déverrouillage poussoir. Et c'est excellent, je trouve. Bon. Allez, on va tester ça. Donc nous tirons de la Fiocchi frangible. Oh! Putain, l'armement est sympa. Putain, c'est incroyable. Tu l'as tellement bien en main, tu ne sens rien. L'armement est un peu long, mais il est très très fluide. Je suis très bas, donc je vais prendre visuel haut. Mieux. Peut-être pas. Ouais. Ouais. Pourquoi pas? C'est pas mauvais, moi, je trouve, hein, comme revolver, sans déconner. Bon, ça va. C'est fluide. J'ai pas grand chose à en dire parce que ça sort pas non plus de l'ordinaire, mais c'est bien fabriqué. C'est très fluide. On va tester la double action un peu pour voir. Ah, la double action est super fluide, putain. Par contre, j'en mets pas une seule là, au bout d'un moment. Ouais. Alors, je pense que mes cartouches arrosent un peu. Elles sont définitivement pas faites pour faire de la précision. Ce sont des cartouches de défense, hein. Ouais, je pense que ça peut être très précis. C'est très bien fabriqué. On l'a très bien en main. C'est très très bien équilibré. C'est sympa. Ça casse pas 12 pattes à un canard non plus. Mais on va dire que ça en casse déjà au moins 2. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. C'est bien fini, les marquages sont un peu dégueux, mais ouais, non, j'aime bien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Trèfle, et souvenez-vous, amusez-vous, parce que bientôt vous aurez plus le temps. Ciao !